à des dettes de jeu. Fan de dessin animé. A récemment assisté à un enterrement. Ok, ouais. A consulté un chirurgien esthétique. On s'en fout. Ah! Recherche fréquente en ligne. Pré-gouvernementaux. Ouais. J'ai suivi des cours de navigation. Ouais, mais c'est... Non, c'est bateau en fait. A dilapidé la fortune familiale. D'accord, ok. Signe fréquemment réputation. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Non, on m'a dit de regarder parce qu'il y avait de jeunes mariés, ouais. A participé à un jeu télévisé. Chrétienne fondamentaliste, ok. Est-ce qu'on peut leur parler vis-à-vis de ça? Non? Bon. Membre du comité de ton quartier. Mais on s'en fout de tout ça! Allergie aux fruits de mer. Ok. Bon. Non, en fait, c'est inutile. Déposer plusieurs brevets, bon, je pique un peu de pognon, hein, c'est surtout ça. Non, franchement c'est vraiment pas mal. Mais ça reprend un peu sur Assassin's Creed comment... Pilote amateur. Ok, bon. Elle est dans sa famille d'accueil. Non, je sais pas, on m'a dit qu'il y avait des trucs marrants parfois, mais non, ce sont des trucs vraiment bateaux, je trouve. Ok. Pour guerre, sa dépendance. On s'en fout. Ok. Souvent à l'église, ok. Ouais, question, c'est les abris de bus là, on peut pas les utiliser? Blessé pendant un pogo. Ah ça, ah ouais, donc il y a des trucs un peu marrants. Mais bon. Recherche fréquent en ligne, justicier. Ah, d'accord. Un mec qui nous recherche un peu. Recherche à se réconcilier avec sa femme et l'autre. Souffre de terreur nocturne. Ok. Lui on peut pas y parler lui. J'ai peur de faire une connerie. Non. Bon, en appuyant sur F, je voulais voir si je pouvais pas, mais non en fait. Parce que F c'est pour neutraliser normalement, mais bon, on sait jamais au cas où il y aurait une autre action qui aurait été déposée. Bon, on s'en fout.
foutre la merde. Hop, allez. D'accord, on a un extrémiste. D'accord, ouais, bon. Ouais, non, ouais, non, je vous dis, c'est vraiment bateau, je trouve. Donc, non. Y a rien de, y a rien d'amusant. Enfin, y a deux, trois trucs, certainement. On peut foutre la merde, ça, par contre, c'est cool. Alors, question bête. Je crois qu'on pouvait pas dans Assassin's Creed. Est-ce que notre héros est réellement un héros et est-ce qu'il sait nager? Ancien introverti. Il sait nager. Elle n'empêche les graphismes au niveau de l'eau. Et l'eau, c'est vraiment pas facile à réaliser en jeu vidéo. Bon, là, ça fait un petit peu marre d'huile encore, mais franchement, elle est bien faite. Je trouve qu'elle est bien faite, l'eau. Bon, donc on peut nager. C'est plutôt cool. Je suis en train de me diriger vers le truc là-bas, mais je sais pas où il est, hein. Il est à 500 mètres. Bon bah pour maintenant, 500 mètres à la nage, c'est largement faisable. Faudrait que je m'y remette moi la natation. Enfin, ça fait un bout de temps que je le dis, mais bon, on a des choses qui se débloquent au fur et à mesure, mais bon. Ok, par contre j'ai pas vu, mais les vêtements de notre personnage également. Se mouille. Ouais, là on est mouillé. Là on doit sécher au fur et à mesure. Alors, je regarde pas les gens, mais je pirate à fond de blinde. Ok, bon. Mais comment, on pouvait également dans Assassin's Creed farmer, mais juste en poussant les gens et puis les gens nous poursuivaient par la suite. N'empêche, pirater un téléphone comme ça. Non, par contre, avant, il y avait un truc sur les Bluetooth. Sur les téléphones avec Bluetooth dessus, moi personnellement j'arrivais à envoyer des messages à d'autres personnes autour de moi par les réseaux Bluetooth. Je m'étais amusé comme ça une fois c'était en permanence, si vous voulez, comment on était, c'était pendant mon lycée, si vous voulez, j'étais en, comment on appelle ça, en internat. Et tous les soirs après manger, on devait aller en études en fait, et
bosser si on avait du travail, et si on n'avait pas de travail, et ben du moment qu'on était calme, on pouvait faire un peu ce qu'on veut. Et moi avec mon téléphone, et ben en fait on était dans différentes salles d'études. Et comment on avec des amis parfois, et ben on s'envoyait des messages entre nous via le système Bluetooth. Où on envoyait des messages à d'autres personnes qui n'étaient pas au courant et ils recevaient des messages et ils savaient pas d'où ça venait. Et c'était assez marrant à voir parce que t'as tout le monde qui d'un seul coup c'est quoi ces messages que je reçois sur mon téléphone, des trucs comme ça. C'était assez marrant, mais bon, c'était juste l'envoi de messages. On n'avait pas le contrôle sur les téléphones. Mais c'était assez fun. C'était assez fun. Ça existe plus ce système, mais avec des amis sur des vieux téléphones, on s'était assez bien amusé. Donc voilà. Après moi le fracking, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, quand on parle de piratage sur téléphone, alors maintenant c'est en train de disparaître, hein, mais à la base ça s'appelait le fracking, c'était même ça existait même avant le hacking. C'est le piratage des systèmes de téléphonie. Ça s'appelle le fracking et je m'étais intéressé à ça aussi pendant un temps. Il faut savoir que les premiers hackers avaient commencé par ça, par le fracking. Et mais bon, c'était le premier comment ? Ouais, sur la côte, en Californie. Le premier système de piratage qui a existé, ça consistait à envoyer des fréquences sur le réseau. C'était assez... comment ça marchait comme ça. Si vous voulez avoir les commutateurs... les commutateurs de comment ? De téléphone, les vieux commutateurs hein, de téléphone, marchaient avec des fréquences qui s'envoyaient sur la ligne. Quand on appuyait sur la touche 1, ça envoyait une certaine fréquence. Quand on appuyait sur le 2, ça envoyait une autre fréquence. Et en sifflant, alors il me semble que c'était en envoyant en fait un signal exact... un son en fait dans le téléphone de 333 Hz, il me semble que c'était ça la fréquence, on parvenait à passer sur des appels gratuits. Donc il y avait des gens qui arrivaient à appeler gratuitement, simplement en envoyant une fréquence. Je sais plus si c'est 33 ou 333 Hz, mais c'était à l'époque où les commutateurs marchaient avec des fréquences. Donc c'était mais maintenant les commutateurs de téléphone ne marchent plus en fréquence. Ce genre de faille est protégé, mais c'était les premiers systèmes que les hackers avaient trouvé pour pouvoir téléphoner gratuitement. Ils envoyaient des fréquences dans les combinés de et ça marchait en fait sur les... comment ? Wouah, j'ai 21 000 $, normal. Et ça marchait sur ça, mais comment dire ? Et après, il y a eu ce qu'on appelait les blue box. Alors, c'est bizarre parce qu'en y pensant, les blue box, à l'occasion, ça a donné naissance à Doctor Who, peut-être. Je ne sais pas, peut-être. Les blue box, bah c'était pareil en fait, au mieux d'envoyer le numéro par le numéro via le boîtier, les numéros quoi, on les envoyait directement dans le combiné. Je sais plus comment ça marchait, mais en gros on pouvait passer en appel gratuit. Eh ben, la sécurité de l'immeuble est super pointue. Du
Bon allez. Bon, on fait ça vite, d'accord. Mes potes du balcon commencent à gémir et ça me donne la migraine. Et si j'ai la migraine, je vais pas te servir à grand chose. Tu crois que t'es le seul à vouloir faire ça vite? Comment je peux savoir ce que tu veux? L'empathie, c'est pas ton truc, hein? Non, pas trop, non. C'est quoi ce contrat proposé au fixeur? Qu'est-ce qu'il cherche? Toi? Quelqu'un veut la tête du justicier. Du coup, ils vont organiser un faux transfert de prisonniers pour faire sortir le seul témoin capable de s'identifier. C'est la première fois qu'ils mobilisent autant d'hommes, par contre. Ils savent que je vais essayer de les arrêter. Écoute, le témoin connaît mon visage. Si les fixeurs le retrouvent et découvrent comment je m'appelle, ils s'en prendront à ma famille. Ah, la famille. T'es trop sentimental, Pierce. Le voilà ton point faible. Quelqu'un s'en servira contre toi un jour. Je vais faire de mon mieux pour te couvrir, mais je peux pas tous les voir. C'est parti. Fais gaffe, Pierce, ça vient. Mais pourquoi il tirait plus ce con? Ce soir on mange chinois. Putain. Ok. Ça va être chaud. Bon, on va faire le contour. Cosmétique, d'accord. Ladies cosmétique, ok. Thank you.
Ok, on va voir déjà ce qu'on peut faire. Il est où le mec? Il est là. On peut appeler des renforts. Ok. Hors de portée. Bon. Oui, c'est lui, d'accord, ok. Douglas. Quoi? C'est comme ça qu'il s'appelait, Douglas. Et merde, trop tard. Tu l'as buté. J'avais oublié son nom. Ah putain, je l'aimais bien ce mec. Il avait plein de blagues sur les blondes. Bon, je me rappelle aucune, mais bon. Est-ce que tu crois que tu pourrais t'amuser un tout petit peu moins? Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler de ta vie. Eh, belle phrase. C'est un peu pour ça que moi je bosse dans l'informatique. Bon. Enfin, l'autre enculé. Je suis prêt à parier que le boss est dans ce bureau. Bon, recharge. Attends, arrête.
Je sais pas de quoi tu parles. Lenz Brenner. Comment elle va, ta petite famille? Qu'est-ce que tu me veux, putain? Je te demande comment va ta famille. Oh, j'ai bien l'impression que t'as une double vie, toi. Père de famille, tes gosses bientôt à la fac. C'est cher, ça, pour un syndicaliste. Je t'emmerde. Et puis, il y a le reste aussi. Compte fantôme, plein à craquer. Eh. Est-ce que t'es au courant que ton nom est lié à tout un tas d'affaires classées? Ça intéresserait les flics, tout ça. Ok, attends. Tu veux du fric? Je t'en fais une partie, si tu veux. Ça y est, je m'emmerde. Ok, ok. Putain. Le coup de la prison, c'est Angelo Tucci. Il dirige un convoi, mais c'est trop tard, tu le retrouveras jamais. C'est pas lui que je veux. Il met de la famille en ville, non? Tu lui veux quoi, sa famille? C'est quoi ton putain de problème? Ça serait trop long à t'expliquer. Oh, tu as le flinguer quand même, non? Oh, flingue-le! Ah, oh, putain de Windows de mes coronets. Non, je suis mort. Ok, faut que je cours. Faut que je cours, y a pas. De la route. Putain.
enlever la route. Bon, je voudrais monter sur la bretelle si possible. Changer de voiture parce que là t'étais morte. Allez, on lui rentre dedans. Attends, juste. Voilà. Pour être sûr. Bon. Vous avez besoin d'aide ? Défoncez-le ! Un peu longue cette course poursuite. Défoncez sa gueule ! Vas-y ! Ah merde, bon. Ok, là. Putain, mais pourquoi ils ont tous un contresens ? Hey, mais lâchez-moi les mecs. Écrivez-le, allez-y.
Putain, merde, allez. La route, attention. Bon. Faites attention, il n'y a pas pu aller bien loin. Est-ce que si j'attends ici, Ah ça va, c'est bon, on l'a perdu. Ok. Bon, donc, comme quoi, parfois, il faut se jeter à l'eau, au sens littéral du terme. J'aurais bien eu besoin de ça, à un résultat, mais bon. Bon, 3 points d'expérience. Non, ce que je voulais, c'était ça. Focus amélioré. Allez, hop. Aiden, t'as oublié de me rappeler. T'as retrouvé celui qu'on cherchait? Ouais, je te raconterai tout ça. Écoute, faut que je trouve quelqu'un d'autre. Mais j'ai un nom ce coup-ci, Elena Tucci. Elle est liée au type que je cherche. D'accord, elle vit à Chicago? Ouais, j'ai besoin de savoir où la trouver. Alors... C'est bon. Waouh, elle a une sacrée empreinte numérique. Ok, ce matin, elle a publié quelque chose à propos d'un rendez-vous devant la Willis Tower. Super. Je te rappelle quand j'y serai. J'aurai peut-être besoin d'aide. Bon. Non, c'est pas ça, c'était ça que je voulais. De toute façon, je vais pas tarder à arrêter parce que mon disque dur va bientôt rendre l'âme. Attendez, laissez-moi d'ailleurs vérifier. Va rendre l'âme. Ouais, 73 mégas. Écoutez, de toute façon, pour moi aujourd'hui, je pense que c'est terminé. On va... terminer quelques instants, on va continuer encore quelques instants, puis oui, est-ce que je voulais véhicule à la carte, je voulais les motos. Oh, j'ai pas vu les bolides. Qu'est-ce qu'il y a en bolide? Ouais. Ah oui, mais ça me coûte de la thune à chaque fois. Ouais, allez. Ah, en fait, faut les acheter les véhicules, pareil. Bon. Non, bon, on va y aller en moto. Hop. On va juste se rendre au prochain point. Bah, jusqu'à ce que mon frappe se coupe par manque de... par manque d'espace.
Mais bon, je pense que voilà. Allez. Ouïouïouï. Bon, il faut vraiment que je prenne l'habitude d'appuyer sur contrôle quand ça devient trop chaud. Bon, bah écoutez, je vais. Alors par contre, il y a un truc qui m'embête, c'est comment sauvegarder. Parce que, à ce que j'ai compris, comment, bah ça sauvegarde pas forcément après chaque mission. Bon, quoi qu'il en soit, je vais stopper là. Allez, encoder, bah, déjà cette séance de jeu. Donc on va être déjà à 5 heures de jeu. Bah ouais. Bon. Bah écoutez, bah sur ce, bah j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis bah sur ce, je vous dis à bientôt!